Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et notre Seigneur. Soyez les bienvenus. Vous êtes avec Nyampundu Marie-Claire, évangéliste du message des derniers jours. Nous sommes encore ensemble avec le sujet qui nous dit la guérison divine à travers les créatures. Nous prions d'abord. Nous te louons, Éternel, parce que ta grâce a toujours été avec nous. Ton amour nous entoure de tous côtés. Nous humilions en-dessus de la croix afin que nous soyons sanctifiés dans les salles du calvaire parce que nous sommes pécheurs. Et nous sommes sûrs que tu nous entends et nous sommes sûrs que tu vas nous exaucer au nom de Jésus-Christ et notre Seigneur. Amen. Le sujet, c'est celui-là qui nous dit la guérison divine à travers les créatures. Dans la création, dans l'amour, l'amour profond du Créateur, dans tout ce qu'il a créé, il y a des médicaments. C'est à nous de l'utiliser tout en croyant que la main de Dieu pourra se manifester dans tout ce que nous ferons. Si nous faisons tout cela par la foi. Aujourd'hui, nous allons parler des aliments qui conviennent pour la femme enceinte. Nous allons parler un peu des mots, des aliments qui conviennent pour à la femme enceinte. La femme enceinte porte en elle la vie de deux personnes. L'inattention causée par l'ignorance peut faire que l'enfant soit exposé à une mauvaise santé et à une inintelligence. C'est-à-dire, lorsque une femme enceinte n'est pas avertie des aliments qu'elle doit consommer pour la bonne santé, pour sa bonne santé et pour la bonne santé de son enfant, vouloir ou pas, son enfant sera exposé à une mauvaise santé et à une inintelligence, c'est-à-dire à un niveau d'intelligence très bas. La cause sera l'ignorance ou la négligence de sa maman lorsqu'elle est enceinte. Une femme enceinte non avertie, si son alimentation a moins de chances de mettre au monde un enfant intelligent. Lorsque la femme, lorsqu'elle est enceinte, elle connaît des aliments qu'elle doit manger pour sa bonne santé et pour la santé de son enfant, en ce moment-là, elle pourra mettre naissance à un enfant intelligent, à un enfant qui est en bonne santé. Une femme enceinte doit consommer des aliments contenant des folates. Le livre nous dit que une femme enceinte doit consommer des aliments qui contiennent des folates. Les folates sont des aliments très nécessaires pour tout homme, surtout pour la femme qui est enceinte. Elle doit les multiplier à deux fois que d'ordinaire. C'est-à-dire, si elle a l'habitude d'utiliser des aliments qui contiennent des folates, lorsqu'elle est enceinte, elle doit les utiliser, elle doit doubler. Ces folates peuvent être trouvés dans les haricots, dans les légumes, dans les oléagineux. C'est-à-dire qu'une femme enceinte doit, dans sa nourriture, elle ne doit jamais manquer des haricots, des légumes, des oléagineux sur sa table. Lorsque nous parlons des oléagineux, nous parlons du soja, nous parlons des arachides, nous parlons du sésame, nous parlons des graines de tournesol, etc. Lorsque une maman est enceinte, elle doit bien vouloir utiliser ces aliments que nous venons de citer parce que ces aliments contiennent des folates. La viande et le poisson sont pauvres en ce que nous appelons les folates. Lorsque la femme mange ces folates, lorsque
Lorsque la femme mange ses folates, quand il y a des folates, quand il y a carence de folates, il y a des conséquences néfastes sur l'enfant qui est dans le sein de sa maman. Nous venons de voir que une maman enceinte doit se nourrir des aliments qui contiennent les folates. Les aliments dans lesquels nous trouvons ces folates, nous venons de les citer, ce sont des haricots, des légumes ainsi que les oléagineux. Parmi les oléagineux, nous venons de citer le soja, les graines de tournesol, les arachides, etc. Lorsqu'il y a carence de folates au premier trimestre de la grossesse, il peut y avoir la malformation du foetus dans le ventre de la maman. Lorsqu'elle a une carence de folate au premier trimestre de sa grossesse, la conséquence mauvaise qui peut subir, c'est la malformation du foetus dans le ventre de la maman. Au troisième trimestre, c'est-à-dire au septième jusqu'au neuvième mois, la matrice peut s'ouvrir et cela peut entraîner des naissances prématurées et des enfants sous poids. Lorsque la maman est ignorante ou bien lorsqu'elle est négligente, lorsqu'elle ne se soucie pas de se nourrir des aliments qui contiennent des folates, elle peut risquer des naissances prématurées. Ou bien elle peut mettre au monde un enfant qui a un poids à niveau très bas. Et ça peut causer des conséquences mauvaises, très mauvaises d'ailleurs, sur la santé de l'enfant. La femme enceinte doit multiplier les aliments qui contiennent le fer. Le livre nous dit que autre chose est qu'une femme enceinte ne doit pas manquer sur sa table, ce sont des aliments qui contiennent le fer, non pas à l'excès. Lorsque elle mange des aliments qui contiennent le fer, lorsqu'il y a un excès de fer dans son manger, ça peut lui causer des maux de l'estomac. Les aliments que doit manger une femme enceinte, nous allons citer la pomme avec la prune pour combattre la constipation. Lorsqu'une femme est enceinte, nous lui conseillerons de vouloir bien utiliser la pomme avec la prune pour combattre la constipation. L'autre fruit qu'elle doit utiliser, c'est l'ananas, pour combattre l'acidité dans l'estomac, ou bien l'acidité dans le sang, ou bien dans l'urine. Nous venons de citer trois sortes de fruits qu'une femme enceinte doit utiliser. Le citron, les oranges, les mandarines. Elle doit aussi utiliser le citron, les oranges ainsi que les mandarines pour combattre la rhume. Ces trois fruits, ce genre de fruits combattent contre la rhume et pour permettre un bon apport en fer. Les citrons, les mandarines ainsi que les oranges sont riches en fer. Or, lorsqu'une femme est enceinte, elle a besoin d'une grande quantité de fer. Elle doit aussi utiliser les raisins ainsi que les avocats pour augmenter le sang ainsi que la vitamine E. Cette vitamine E procure la paix. Elle procure la paix et elle facilite la croissance du foetus jusqu'à la naissance. Et ça, ce sont quelques aliments que nous venons de citer dont la femme enceinte a besoin. Elle doit aussi utiliser les légumes et autres aliments crus. Les légumes et autres aliments crus doivent être sur la table chaque jour et doivent être bien lavés. Les légumes aussi sont souhaitables sur la table d'une femme enceinte. L'autre rôle que jouent les légumes dans l'organisme humain, ils lissent les intestins et combattent contre la constipation et augmentent des sels minéraux. Dans les aliments crus que la femme enceinte doit utiliser, elle ne doit pas manquer à utiliser des épinards parce que les épinards sont riches en fer
et en vitamine A. Les choux aussi. Les choux brocolis et les choux fleurs, parce que et les choux brocolis et les choux fleurs, ils sont très riches en calcium. Les légumineuses secs, riches en folate et en sources de fer. Une femme enceinte doit aussi utiliser dans son alimentation, elle doit aussi utiliser les légumineuses. Les aliments interdits pour la femme enceinte alors. Il y a des aliments qui sont strictement interdits pour la femme enceinte si la femme a besoin de faire naissance à un enfant en bonne santé. Elle doit éviter les viandes séchées. Par exemple, celles qu'on appelle les jambons. Elles sont souvent cause de tumeurs dans les nerfs sensitifs, comme le cancer du cerveau. Lorsque une maman est enceinte et qu'elle aime manger des viandes séchées, entre autres les jambons, elle pourra causer à son enfant le cancer du cerveau. Le risque d'être attrapé par le cancer du cerveau est doublé quand la mère utilise ses viandes. Lorsque la maman enceinte utilise cette viande, il y a risque d'attraper le cancer du cerveau. Lorsqu'une femme enceinte mange la vitamine A, la vitamine C ainsi que la vitamine E provenant des légumes et des oléagineux, ça peut limiter ses risques de cancer pour ceux qui consomment la viande. C'est-à-dire, lorsque une maman enceinte a l'habitude de consommer de la viande, un autre remède pour anéantir les conséquences qui pourront engendrer des tumeurs des nerfs sensitifs qui plus tard pourra devenir le cancer du cerveau. Le bon remède pour anéantir tout cela, il convient à cette femme de vouloir bien utiliser la vitamine A, la vitamine C et la vitamine E qui est trouvable dans les légumes. Et il a été prouvé qu'une femme qui consomme la saucisse au moins une fois la semaine, son enfant a le risque de développer des tumeurs du cerveau à 230%. Lorsque les femmes enceintes deviennent esclaves de manger de la viande alors qu'elles sont enceintes, qu'elles sachent qu'ils courent le risque à leurs enfants d'être attrapés par les tumeurs du cerveau à 230%. Les conséquences du cancer se trouvent dans les nitrates utilisés pour le séchage et la conservation de ces viandes-là. Et un autre point très nécessaire pour la femme enceinte, c'est la propreté. Il y a des saletés qui entrent du dehors, qui viennent du dehors de notre corps. Lorsque ils entrent dans le placenta, ils peuvent faire des dégâts pour l'enfant qui est dans le sein de sa maman. Il y a des saletés venues du dehors qui peuvent pénétrer dans le sang et arriver dans le placenta et infecter l'enfant, qui sera la cause de la non-croissance de l'enfant, la mauvaise conduite de l'enfant, l'oubli de l'enfant. C'est-à-dire, lorsqu'une femme enceinte est malpropre, ces saletés, quelques saletés peuvent entrer et pénétrer dans le sang, ce que ça pourra donner à l'enfant. Elle donnera naissance à un enfant. Et à un enfant qui a une mauvaise conduite, à un enfant qui oublie facilement. Ces saletés peuvent aussi provenir de la viande, du poisson, du lait ou des fruits traités aux engrais chimiques. Ces saletés peuvent aussi arriver dans l'organisme lorsque on consomme de la viande, du poisson, du lait ou bien des fruits traités aux engrais chimiques. Il y a une autre chose qui est prohibée, en tout cas à éviter, surtout pour les femmes enceintes, les drogues comme les boissons alcooliques, le tabac et autres peuvent être la cause d'un enfant faible et un enfant qui a un poids du niveau très bas. Nous étions en train de parler des aliments qui conviennent
pour une maman enceinte, nous avons vu parmi les fruits, nous avons cité la pomme, nous avons cité la prune, parce que ces fruits combattent contre la constipation. L'ananas, elle doit aussi consommer l'ananas pour combattre l'acidité dans l'estomac, l'acidité dans le sang, ainsi que l'acidité dans l'urine. Elle doit utiliser le citron, les oranges, ainsi que les mandarines, parce que ces fruits luttent contre la rhume et permettent un bon apport en fer. Elle doit aussi utiliser les raisins ainsi que les avocats pour l'augmentation du sang et la vitamine E qui procure la paix aux mamans enceintes. En tendant vers la fin, nous pouvons demander à notre Dieu, lui qui nous a manifesté un amour que nous ne pouvons pas définir. Nous pouvons lui demander la force de vouloir bien utiliser ce qu'il a prévu comme médicament lorsque il créa dans le jardin d'Éden. Demandons-lui la force de l'Esprit Saint qu'il nous préserve d'être négligente parce que il nous a révélé cette vérité qui nous guérit. Demandons-lui de nous faire la force de mettre en pratique tout ce qu'il nous enseigne du jour au jour. Nous prions. Nous vous rendons toujours grâce à cause de votre amour puissant que vous continuez à nous manifester. Lorsque vous créez les créatures dans le jardin d'Éden, vous nous avez prévu des médicaments dans ces créatures. Donnez-nous alors la force de les utiliser afin qu'ils deviennent pour nous des médicaments. Nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.